Bravo! C'est des ouf. C'est bon quoi. Il rigole. Mais ouais. Allez où Mel? C'est quoi ces mecs? Mal baisé! Ça va chef? Dans les yeux, j'en peux rien. Voilà, c'est chaud là. Jenny, ils viennent d'arrêter Jérôme Richie là. Là, c'est chaud. Mademoiselle, c'est dangereux. Attention. Là, ils ont Jérôme là. Putain. T'inquiète. Ah, c'est le chaos là. Ils ont tous matraqué, ils ont pris Jérôme, ils ont pris Ramos, et voilà, c'est grave. Ils vont pas faire cette erreur.
Ils vont le laisser partir. Ouais, bien sûr. Ça vous dirait pas plutôt de me paraître au moins. Toi, t'as un... J'ai vu plein de motards là passer. Ouais, mais t'as un motard qui a frôlé un mec, et puis après il est descendu, il a commencé à taper sur la gueule, alors que c'est le motard qui a failli renverser le gars, quoi. Sérieux, on était de l'autre côté, on peut pas passer. Arrêtez les conneries. Merci. Non mais monsieur, il a... On est de l'autre côté. Vous pouvez arrêter là. Jérôme, il est là. Il est par terre, il est avec la police, il est là. Voilà. Il n'y a même pas de médic, rien. Là, ils sont là. J'ai vu son visage dans votre téléphone. Il a fouillé, d'accord, c'est le point. Ouais. Mais la diffusion, c'est interdit sans lui. Je veux pas que tu parles de son visage. Regarde, il a été petit, peut-être. Oh là, il a mis. Cinéma. Non, la provocation, ça paye pas. Ça paye pas, hein. Ça fout juste les boules, tu vois. Bah, je sais, moi aussi, je vais faire de dégâts. C'est dégueulasse. Ramos, il est en sang, le pauvre. Bah, c'est grave là. C'est le mec qui a perdu son œil. Ouais. Il voit plus. Non. Oh, le coup. Impossible de. Faut bouger. Non, mais ça, je sais très bien, ça on comprend. Il venait juste de sortir du bain. Ils ont été gentils, tout est gagné, c'est sur la table là-bas. Non mais merci les gars, hein. T'as tout m'enfoncé dessus, merci. Dégoûté, c'est inadmissible. Ouais, voilà le bar, tu sais, où on avait été pour la marche des blessés. Attends, fais gaffe à Yannick là. Chris là-bas, va chercher Yannick.
Yannick, tranquille, c'est bon. Mais non, mais ça m'énerve. Non, mais c'est bon, on est dans un bar et ils viennent comme des cow-boys. Ils viennent comme des cow-boys. C'est bon. Après, vous voulez qu'on vous respecte ? Après, vous êtes mes potes, que vous êtes en train de chier là ? Viens, c'est bon. Viens, c'est bon. Ça va. Ouais, ça va. Viens, frérot, viens. Il te montre tes doigts, reste là. Non, arrête, il va pas marquer, ils vont te prendre, frérot. Viens, reste là. C'est chaud. Franchement, je sais pas comment ça va tourner cette histoire, mais là, il y a eu une bavure et on est mal. On est très très mal. Voilà le pauvre Ramos. Partagez un maximum les amis s'il vous plaît. Un maximum. Il faut relayer l'information. Il y a eu grave bavure. T'inquiète pas, il sera enregistré le live. Ah, voilà, on est encerclé. Voilà. Voilà, regarde. Voilà. Super. Putain, mais quel argent. Une fois de plus, je sais pas comment ça va tourner cette histoire parce que là il y a eu bavure, il y a Jérôme qui est blessé, il y a Ramos qui est blessé. C'est pas bon. On est encerclé, on peut pas sortir. Donc voilà, je sais pas comment ça va sincèrement passer. On va trouver le deuxième Jérôme. À un moment donné, il faut passer par là, on est méchant quoi. Je n'avais rien fait.
Non mais moi je vous le dis. Il y a des policiers qui sont pressés sur votre sac. En tant que commissaire, vous n'êtes pas responsable de vos hommes. Moi je sais pas, moi j'étais chef d'équipe, j'étais, les gens étaient sous ma responsabilité. De vos collègues de la police nationale qui permettent de venir, je vais trouver le deuxième. Attends, je vais le chercher. Complètement, il est là. J'ai pas essayé. Chef, j'ai laissé un petit sac là, le sac à Jérôme. Le sac de quoi ? Un petit sac à dos. Il faut tout ce qu'il a. Non, c'est pas grave, merci. Pardon, merci. Non, t'inquiète. Elle est là-bas. C'est bon, allez. Elle est où, la nous hein? Elle est avec là-bas. Elle est là, elle est avec Eric. Elle a son téléphone ou pas? Elle a donné son téléphone? Oui, elle est parce que Ramos, il me dit viens avec moi. Si je vais avec toi, il y a pas ma voiture. Cigarette, ça va? Je sais pas. Ah, c'est ça, un truc. Il n'y avait pas mon stabilisateur avec. Si, c'est moi qui vais. J'ai tout récupéré, toi, avec. Moi je vais aller direct. 15 secondes, c'est à Bastille. Ah oui, bien sûr. Ah bah non, on va prendre les transports. Le plus proche, c'est Saint-Louis. Alors après, est-ce qu'ils vont l'emmener à Saint-Louis ou est-ce qu'ils vont l'emmener ailleurs? Partagez les amis. C'est pour ça que j'aurais dit non, c'est moi, c'est moi. Alors quand j'aurais dit plus proche, c'est Saint-Louis. Bah, est-ce qu'on peut marcher? Et alors là, ils m'ont gazé en pleine face. Heureusement qu'ils m'ont pas gazé la gueule. Bon, fini, hein, je voyais plus rien. Merci. Je voyais plus rien. Alors, moi, c'était pas ça. Bon, on remonte la version ou quoi? Bon, ben voilà, une petite action. Il y a quoi, il a le nez piqué? Il a le nez ouvert, apparemment. Ouais, l'action est chaude, chaude. Bah, il est passé. Ben, Ramon et Rodriguez, ils ont été blessés. Tu as vite été pleine. De suite, partagé. J'ai failli m'en prendre, des policiers qui ont déposé la milice à Macron, les éborgneurs de Macron qui les a déposés, qui s'amusent à nous faire des doigts, à nous insulter. Puis à mon avis, ils se sont arrêtés à notre niveau et ils ont commencé à nous fracasser, à frapper certains et à nous bousculer. Voilà, gratuitement, arbitrairement, la milice de Macron. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Ouais, tu vas? Ouais, ouais. Tu vas voir Ramos. Ah, tu vas aller? Tu vas? Oui, dans la maison, je vais le chercher. Ah, ok, d'accord. Bon, faites gaffe en plus, hein. Yannick, tu bouges là? Ouais, j'y vais. Vas-y, je te fais voir. Très bien, ça passe. Il y a un métro. Il y a un métro où, les gars? La Ville de la République, plus bas à droite là. Plus bas à droite. Bah, attention, Yannick. Là. C'est fermé. Yannick, remonte de l'autre côté. Remonte. C'est fermé. Les amis, je vais couper le live. Partagez un maximum parce qu'il y a une putain de bavure. Ça va faire énormément de bruit.
Et voilà, je suis dégoûté. C'était bien parti, bonne manifestation, et ça a fini en carnage, sincèrement. Donc voilà, bravo à tous, merci pour le soutien. Faites attention à vous. À bientôt.